Les deux enfants s'en tenaient par la main. Ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là. Merci. Nous avons ici l'exemple d'un conte qui montrait la mentalité d'époque à laquelle on a pour habitude de situer l'histoire. En effet, les contes de fées utilisent souvent Jésus-Christ. C'est en quelque sorte pour faire comprendre aux enfants qu'il existe bel et bien. Et vous, vous croyez au conte de fées? S'il vous plaît. Eh bien, voyez-vous, je me vois un peu comme le curé des contes de fées. J'essaie de faire comprendre aux gens qui sont vrais en leur racontant des anecdotes. Pour moi, s'il vous plaît. Pour moi, ce qu'on lit dans la Bible, c'est un peu comme un conte de fées. Et je suis aussi bien placé que vous pour savoir que ces contes sont vrais. Mais revenons à notre Reine des Neiges, s'il vous plaît, Monsieur de Châtonnet. Quel beau jour d'été où il était si agréable d'être dehors sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs. Merci. On voit ici que l'auteur tient à mettre l'accent sur l'été et sa chaleur. Le passage à l'hiver n'en sera que plus rude. Eh bien, il est déjà l'heure. Pour demain, je vous demande de finir ce conte jusqu'au bas de la page 3. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bof, je sais pas, je gagne quoi? Rien, c'est ma trousse et tu vas me la rendre. Sinon quoi? Sinon je pourrais très bien dire à monsieur Perrin. Tu crois ça? Oui, je pourrais. Mais tu vas pas le faire. Allez, de toute façon je vais pas te la voler, je vais juste voir ta réaction. Tu mériterais la potence pour la fin. Quoi, la potence? Je rigole pas, tous les voleurs valent la peine de l'an, comme les criminels d'ailleurs. Pourquoi? Quand t'as une verrue, il faut arracher la racine, c'est pareil avec les gens. Quand ils ont des mauvaises choses, t'arraches la racine, donc la rue. Tu es toi. Moi, si je t'ai pris ta trousse, c'était juste pour déconner. Si tu zigouilles un type juste pour ça, t'es franchement pas bien. Bah oui, il la mériterait. Oh, mais bon, c'est pas parce qu'un gars vole une fois un bout de pain parce qu'il a faim que forcément il mérite la décapitation. Oui, il la mérite. Mais imagine le pauvre gars qui vit dans la rue, qui n'a pas d'argent et qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Tu veux qu'il fasse quoi s'il passe devant une boulangerie? Franchement, je ferais pareil. Alors tu viendrais une fois pour manger? Si j'ai pas d'autre option, ouais. Mais moi, je trouve que toutes les personnes qui violent une loi peuvent violer toutes les autres, y compris celles qui t'interdisent de tuer. Ouais, ben moi, je te comprends, Yasmine. Chez moi, on a toujours la peine de mort et puis on s'en sort très bien. Mais bon, faut pas pousser ça jusqu'au vol, hein. Faut quand même avoir ses limites. Ça m'étonne pas, ça. Ce sont les pires qui sont pour la peine de mort. Les pires? Laisse tomber, la bronzée. Comment tu m'as appelée? Bonjour. Alors on va faire un peu de bonne manière maintenant.
Je sais pas si vous me connaissez déjà, je suis Arsène Lupin. On me connaissait beaucoup avant. Enfin, j'étais surtout connu par la police. On me surnommait le gentleman cambrioleur. Mais bon, maintenant j'ai arrêté de cambrioler. C'est fantastique, non? J'ai trouvé un boulot stable ici. Ah, Yasmine, on est inquiet pour toi. Pardon, un client?